Salut à tous et soyez les bienvenus sur YouTube. E a gente já vai começar no Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live 100% en français. Hoje é 100% em francês e é só os recados iniciais que eu vou poder dar em português. Depois eu só falo francês. A live de hoje é 100% em francês e não importa o seu nível, você pode aproveitar a live de hoje para ouvir francês, para treinar a sua escuta e para treinar a sua cabeça. Porque uma das coisas mais importantes para você alcançar um nível de domínio da língua francesa é que você treine a sua cabeça em situações em que, em teoria, você poderia se angustiar. Ah, não estou entendendo nada, né? Às vezes a gente pensa assim e se trava completamente. Aqui você precisa estar em contato com a língua para não travar. Nosso objetivo é chegar a 300 pessoas ao vivo no YouTube ao mesmo tempo. Então vamos nessa. Temos pouca gente hoje ainda. Sexta-feira vocês ficam, todo mundo fica preguiçoso, menos as pessoas que estão aqui, é claro. Mas vamos começar. Eu vou falar 100% em francês. E pour commencer, je voudrais savoir... Si vous regardez toujours les lives avec Elisa, s'il vous plaît, mettez hashtag vicieille ou je suis accro. Si aujourd'hui c'est la première fois, écrivez s'il vous plaît hashtag primeiro espaço, premier pas. Et si vous êtes un activateur, une activatrice, écrivez s'il vous plaît hashtag activateur, activatrice. Et le numéro de votre groupe. Pollyanna, T14, Caroline Morgado, T15, Enélian, bonne chance avec ta tante. Voilà, alors, aujourd'hui, je vais vous parler 100% en français. À la fin du cours, je vais vous montrer quelques expressions que j'aurai utilisées. Si vous n'avez pas compris quelque chose... Si ça devient difficile, essayez de captiver, de comprendre quelques mots. C'est important de s'entraîner la mentalité, de rester attentif à ce que je dis pour pouvoir apprendre le français. Je vais vous poser des questions et je voudrais que vous répondiez aux questions que je vous pose. D'accord? Donc, vous allez écrire les réponses. Moi, je vous demande et vous écrivez les réponses. Bienvenue à tous. J'ai vu que nous avons beaucoup d'activateurs T15. Soyez les bienvenus. Et allez, on y va. Première question que je vais vous poser, c'est où habitez-vous? Où habitez-vous? Dans quelle ville? Dans quel pays? Dans quel quartier? Où habitez-vous? Si je demande ça à une personne que je ne connais pas, je dis « Où habitez-vous ? » Si je demande la même chose à beaucoup de personnes, je dis « Où habitez-vous ? » Identique, je répète. Si je demande à une personne que je ne connais pas, je demande « Où habitez-vous ? » Si je demande à plusieurs personnes, deux, trois, quatre, cinq personnes, je dis aussi « Où habitez-vous ? » Attention, si je demande à une personne que je connais, je dis « Où habites-tu ? » « Où habites-tu ? » « Où habites-tu ? » Je peux dire « Où habites-tu ? » Ou de manière plus informelle, je peux dire « Où tu habites ?»« Où tu habites ?» Ou encore « Tu habites où ?»« Tu habites où ?» Donc, nous allons résumer toutes les options que je vous ai présentées aujourd'hui. Je peux dire, je vais écrire les phrases, d'accord ? Donc, je peux dire « Où habitez-vous ?» Pour une personne que je ne connais pas, je peux dire « Où habitez-vous ? » pour 2, 3, 4, 5, 10 personnes que je connais ou que je ne connais pas. Les deux. La même phrase. La phrase, c'est « Où habitez-vous ? » « Où habitez-vous ? » Je peux aussi dire « Vous habitez ?» Où? Vous habitez où? Les deux sont possibles.
Où habitez-vous? Vous habitez où? Je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Alors, voilà. Nous avons ici sur Instagram, sur YouTube, nous avons les phrases que je vous ai présentées. Première phrase, où habitez-vous? Deuxième phrase, vous habitez où? Merci, Caro. Vous habitez où? Ou où habitez-vous? Ces deux phrases peuvent être utilisées. Alors, comment on va faire? On va insérer un tableau. Comme ça, voilà. Donc, première phrase, où habitez-vous? Deuxième phrase, vous habitez où? Ces deux phrases peuvent être utilisées dans les mêmes circonstances qui sont une personne que je ne connais pas ou plusieurs personnes que je connais ou que je ne connais pas. Attention, si je vous connais, je vais dire où habites-tu? Ou encore, tu habites où? Où habites-tu? Ou tu habites où? Les deux phrases servent pour une personne que je connais. C'est informel. D'accord? Où habites-tu? Tu habites où? Où habitez-vous? Vous habitez où? Où habites-tu? Tu habites où? Voilà. Donc, nous avons terminé la première phrase. J'ai vu que la réponse de Ana Salitaire est « J'habite dans la capitale du Brésil ». Et Carol Poço a répondu « J'habite à Franco da Rocha ». Je vais vous mettre ici. J'habite à Franco da Rocha ou j'habite dans la capitale, j'habite à Vila Madalena. Alors, pour répondre, je dis « J'habite au Brésil ». J'habite en France. J'habite à Salvador. J'habite à Ipanema. Laissez-moi mettre quelques lignes. Voilà, j'habite à Ipanema et j'habite... Alors, pour la capitale, on peut dire tout simplement « j'habite la capitale du Brésil ». Deux points, Brasilia. Voilà, j'habite à Cordoba, d'accord? Donc, on va dire « à » avec une ville. Ou « à » avec un quartier. Et je vais dire « au » ou « en » avec un nom de pays. Alors attention, Jazz Prieto. Et attention à tout le monde. Ça dépend du mot que vous utilisez. Vous allez utiliser la préposition « en »,« à », « au » ou tout simplement « directement ». Je peux dire « j'habite à Bagé au Brésil », oui, mais attention Mohamed, à l'accent sur le mot « Brésil », sur le nom « Brésil », d'accord? Excellent. Voilà, deuxième question, j'ai une nouvelle question pour vous. Ah, Sem Srat, j'habite à Istanbul, excellent. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Ah, Zuleika, merci beaucoup. Donc, Zuleika dit, j'habite
aux États-Unis. Zuleika habite aux États-Unis. Voilà, très bien. Donc attention, la règle c'est au plus nom de pays masculin, en plus nom de pays féminin ou masculin qui commence par voyelle, A plus nom de ville, A plus nom de quartier, quartier comme Ipanema, Villa Maddalena, Botafogo, Lapa, Perdizes, etc., etc., etc. En France, je pourrais dire un quartier, c'est Montmartre, d'accord? Et j'habite la capitale, donc ici je dis directement. Et ici, O plus nom de pays pluriel. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Alors, laissez-moi copier là. Voilà. Deuxième question aujourd'hui. Quelle est votre activité préférée? Quelle est votre activité préférée? Quelle est votre activité préférée? De nouveau, nous voyons ici l'usage de votre. Votre indique que c'est pluriel ou formel. Donc, je vais mettre pluriel ou formel. Et si c'est informel, je vais dire quelle est ton activité préférée. Quelle est ton activité préférée? Alors, à toi, quelle est ton activité préférée? Galera, a live de hoje é 100% em francês. Cadê vocês chamando a galera para ouvir francês? Porque ninguém aprende francês sem ouvir francês. Então, bora lá chamar todo mundo para participar da nossa live de hoje. Aperta o botãozinho de aviãozinho embaixo desse vídeo aqui no Instagram. Aperta o botãozinho de flechinha embaixo do vídeo aqui no YouTube. Aperta o botãozinho também no Facebook e chama lá. Arthur, não, quem foi? Liliana, vocês estão vendo tudo que... Ah, é a Lili. Lili, você é a Lili? Sarkis, eu acho que é você. Me fala se é. Não tem nada que vocês não estejam vendo, tá? Tá cortadinho aqui, mas não tem nada que vocês não estejam vendo. Deixa eu tentar arrumar, mas... Nem adianta muito arrumar. Voilà. Alors, quelle est votre activité préférée? Lire. Donc, nous allons compléter la phrase. Je ne veux pas que vous répondiez directement, la chose. Je veux que vous appreniez à répondre la phrase complète. Comme Angeléon Machado a dit, mon activité préférée, il manque le mot préféré, c'est faire du vélo. Dans la mer, c'est impossible. Impossible, on dit, parce que faire du vélo dans la mer signifie que tu vas avec ton vélo à l'intérieur de l'eau. Donc, je ne pense pas que tu fasses du vélo dans la mer. D'accord? Attention à la phrase. Comment on dit alors? Alors, on va dire, pour répondre, je vais dire... Mon activité, attention avec deux E, c'est féminin, préférée, c'est, et le nom de l'activité ou le verbe. Par exemple, je peux dire, c'est faire du vélo. On dit, je pense que tu veux dire à la plage, parce que si tu dis dans la mer, c'est à l'intérieur de l'eau, comme si tu allais à vélo. Dans l'eau, d'accord? À la plage, c'est la mer est là, à côté, et moi je suis à vélo, à côté de la plage. D'accord? Quoi d'autre? À côté de la mer. Ah, à côté de la mer, c'est possible. C'est possible. J'adore le cinéma. Naikli Leonidas qui dit « J'adore le cinéma ». Donc tu peux dire
Moi, j'adore le cinéma. Moi, j'adore le cinéma. C'est une possibilité. Moi, j'adore le cinéma. Mon activité préférée. Attention, comment on écrit activité préférée? Regardez bien. Galera, olha como eu escrevi activité préférée. Pour vocês não escreverem diferente, tá? Tem dois S. Então, mon activité, tanto uma activité quanto une préférée. Então, dá uma corrigida, Mari Franca. A Mari Franca falou, mon activité préférée actuellement, c'est étudier français. Alors, je vais te corriger. La phrase correcte, c'est mon activité préférée en ce moment, ultimamente, neste momento, actuellement, actuellement c'est bien, mais c'est plus commun de dire en ce moment. C'est étudier, verbe à l'infinitif, studar, étudier le français. Pourquoi, Elisa, je dois dire le français? Parce que quand je dis le français, je parle de la langue française. D'accord? Le français. Voilà. Qui d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'aime lire. Kyle Leitch, tu es activateur, tu es le professeur d'anglais que je cherche depuis un temps. Mon activité préférée, c'est jouer au foot. Très bien. Fernanda, mon activité préférée, c'est étudier le français. J'ai corrigé la phrase, tu peux te corriger aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Mon activité, Rosilene. Alors, on va prendre la phrase. Ah, il est perdu. Où est la phrase de Rosilene? Oh, merci. Ici. Rosilene, où est la phrase de Rosilene que j'ai perdue? Je voulais corriger celle de Rosilene. Je vais corriger la phrase de Sinara. Sinara dit, moi, activité préférée, c'est danse. Sinara, moi signifie eo. Je pense que tu veux dire mon activité préférée, c'est la danse. D'accord? Por que que aqui eu tô... Vou explicar em português um segundo. Porque... Não, não vou explicar em português nada, mas eu vou explicar por que que é mon e não moi. Mon, c'est un adjectif possessif. Mon enfant, mon portable, mon, masculin. Activité, c'est féminin. Mais ça commence avec une voyelle. Et comme ça commence avec une voyelle, je vais utiliser l'adjectif possessif au masculin. Et je vais donc dire mon activité préférée. D'accord? J'ai perdu la phrase de Rosilene. Carol, mon activité préférée, c'est voyager et aussi danser. Alors, Carol, comme tu as deux activités, tu vas dire mes activités préférées. Au pluriel, sont voyager et danser. D'accord? Donc, si tu dis deux activités ou trois activités ou quatre activités, tu dois mettre au pluriel. J'ai perdu la phrase de Rosilene. Eu queria corrigir a phrase de Rosilene e sumiu. Disparu. Je ne trouve plus. Disparu. Bon, pas grave. Lenita, mon activité préférée, c'est imaginer ma voyage en Paris. Lenita, deux erreurs dans ta phrase. On dit, mon activité préférée, c'est d'imaginer mon
Voyage. Voyage en français, c'est masculin, d'accord? Mon voyage à Paris. Nous avons vu que la préposition que nous utilisons avec les noms de villes, c'est la préposition à. Donc voilà pourquoi je dois corriger cette phrase. Mon activité préférée, c'est jouer au volley. Très bien, j'ai vu, j'ai faire des fautes. Mes activités sont, j'ai mis ce son. D'accord, je ne me souviens plus de ta phrase, Rosilène. Disparue. Comment se dit courir? Courir, Cassia Gabus. Donc on dit, mon activité préférée, c'est courir. Ou alors tu peux aussi dire la même chose. Mon activité préférée, c'est la course. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Ici, l'activité, c'est un verbe. Et ici, c'est le nom de l'activité. D'accord? Les deux phrases signifient la même chose. Mais une phrase, j'utilise le verbe et l'autre, le nom de l'activité. Activité, qu'est-ce qu'il y a? Mon activité préférée, c'est étudier des langues, surtout le français en ce moment. Très bien, Philippe Fauvel. Philippe, tu as un nom très français. Philippe Fauvel, c'est très français. Ah, d'accord, Eloisa Prado. Mon activité préférée est brincar com meu filho. Non sei como diz. Alors, on dit... je vais répondre après. Alors, on dit... Mon activité préféré, c'est jouer avec mon fils. Jouer avec mon fils, c'est jouer avec mon fils. Tem gente perguntando por que é activité com dois E's, porque é atividade feminino, activité, deux E. D'accord? Préféré, préférida, dois E's também. Voilà. Prochaine question. Encore une question à vous poser. Nouvelle question, c'est... Vous préférez, oui, attention à l'accent, vous préférez Noël ou Nouvel An? Est-ce que vous préférez Noël ou Nouvel An? Est-ce que vous préférez Noël ou Nouvel An? Préférez-vous Noël ou Nouvel An? Une autre possibilité, tu préfères Noël ou Nouvel An? Tu préfères Noël ou Nouvel An? Préfères-tu Noël ou Nouvel An? Vous préférez Noël ou Nouvel An? J'attends votre réponse. Et à la fin, je vais vous raconter. Galera, hoje a gente tá quase na nossa meta. E aí, se cada um de vocês que tá aí no YouTube chamar uma pessoa, a gente passa da nossa meta. Bora passar para eu contar para vocês qual é a live de amanhã, surpresa, 3:30 PM, que você já tem que colocar na sua agenda, que vai ser incrível. Bonjour, comment allez-vous? Je vis au Gabon et mon souhait actuel est d'apprendre le portugais. Ce que j'ai comme activité préférée n'est tout autre que la danse hip-hop. Waouh, la danse hip-hop, c'est vachement bien, bravo. Je vous félicite. Moi, je préfère Nouvel An. Alors, attention, la phrase, c'est... On va augmenter ici. Donc, la question, préférez-vous Noël ou Nouvel An? Attention, Carol, regarde comment on écrit Nouvel An, d'accord? Notre possibilité, vous préférez Noël ou Nouvel An? Informel. Tu préfères. Attention, l'accent qui change. Tu préfères Noël ou Nouvel An? Encore une possibilité. Oh, j'ai mis le mauvais accent. Préfères-tu Noël ou Nouvel An? Préfères-tu Noël ou Nouvel An?
Donc, vous avez vu, les quatre phrases signifient la même chose. Préférez-vous Noël ou Nouvel An? Vous préférez Noël ou Nouvel An? Tu préfères Noël ou Nouvel An? Préfères-tu Noël ou Nouvel An? La différence entre les quatre phrases est le degré de formalité. Quand je fais l'inversion sujet-verbe, c'est plus formel. Plus formel. Quand je ne fais pas l'inversion, c'est moins formel. Ici, cela peut être pluriel ou singulier. La deuxième phrase aussi peut être pluriel ou singulier formel. D'accord? Mais c'est moins formel. Et la première phrase est plus formelle. D'accord? Plus formelle. Troisième phrase. Tu préfères Noël ou Nouvel An? Tu préfères Noël ou Nouvel An? C'est toujours singulier. C'est toujours informel. Mais attention, c'est plus informel. Et ici, la deuxième. Préfères-tu Noël ou Nouvel An? C'est singulier informel et c'est plus formel. On va mettre comme ça. C'est plus formel. D'accord? Donc, la différence entre les phrases, c'est le degré de formalité. Tout simplement. Alors, maintenant, je vais voir vos réponses. Alors, moi, je préfère Nouvel An, je préfère le Noël. Attention, Anna Lucia, on ne dit pas en français le Noël. On dit Noël, tout simplement. Je préfère Nouvelle Année. Jazz Prieto, on ne dit pas Nouvelle Année au féminin. On dit Nouvel An. Nouvelle au masculin, un seul L à la fin. Et An, nous écrivons A-N. Je t'invite, Jazz Prieto, à entrer sur YouTube pour voir ce que j'écris. Préférer un Nouvel An. Je préférais en été. Moi, je préfère le Nouvel An. D'accord. Curiosité. Je peux dire le Nouvel An. Je ne peux pas dire le Noël. D'accord. Donc, attention à ça. Attention, Maria Regina Medeiros Nóbrega, regarde comment j'ai écrit. Attention, Alice et Janice, l'accent préfère. Deux accents dans les sens contraires. Préfère, d'accord? Voilà, alors moi, Elisa, maintenant je vais sortir du partage d'écran. Et voilà, moi, Elisa, je préfère Nouvel An. Je préfère toujours le Nouvel An. J'aime bien Noël, mais Noël, c'est une fête de famille. Et je préfère passer Noël en France et le Nouvel An au Brésil. Ce serait parfait si je pouvais tous les ans passer Noël en France et avec ma famille et le Nouvel An au Brésil à la plage. Que faites-vous pour le Nouvel An et que faites-vous pour Noël? Je vais vous laisser avec cette question. Eu vou deixar vocês com essa pergunta. E hoje a gente fez a nossa live 100% en français. Na live de hoje, vocês viram a diferença entre fazer perguntas de maneira formal e informal. Viram que, de modo geral, a gente sempre tem quatro formas de fazer as mesmas perguntas em francês. E a gente precisa prestar atenção qual é o grau de formalidade que a gente quer usar. Ok? Para a gente terminar, eu vou fazer duas coisas. Uma é que eu vou pronunciar a frase da Marinette Chang. Deixa eu ver se eu acho. Se não, Marinette, est-ce que tu peux écrire à nouveau ta phrase? Marinette, eu não consigo achar sua frase. Escreve aí, por favor. J'aime Noël parce que ça me souvient. Tu as écrit souvient ma mère, Alice Diniz. Il faut que tu regardes bien l'écriture. Souvient, c'est avec un A. Pour écrire « souviens », c'est avec un « e », d'accord? Je préfère le Nouvel An parce que c'est l'espoir de quelque chose de nouveau. Très bien, Anna Selly. Attention, c'est le Nouvel An masculin. D'accord? Alors,
Quel est notre objectif demain? Et je vais vous dire en portugais. Amanhã, às 3h30 da tarde, vai rolar uma live incrível de collab com o Christian Dunker, que é um psicanalista muito incrível aqui do Brasil, de São Paulo. Então a live vai ser em francês. Mas a gente vai falar sobre por que que o francês abre portas para literatura, para música, para literatura, artes, filosofia e psicanálise. Se você gosta de algum desses assuntos, literatura, artes, filosofia e psicanálise, não perca a nossa live de amanhã, 3h30 da tarde, no Instagram. Vai ser apenas no Insta, ok? Então, merci beaucoup. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Semana que vem tem mais. No final de semana é só essa que vai ter. E de resto, a gente se encontra na segunda-feira. Merci beaucoup. E se você gostou da live de hoje, duas coisas. Uma, deixa aqui o seu curtir. Para de preguiça, é só você apertar um botãozinho com o dedinho para cima. É rapidinho. Se inscreve aqui no canal. E, principalmente, chama outras pessoas para assistir essas lives, porque conhecimento é para ser compartilhado. Que horas amanhã? 15h30, tá bom? Sternitran. Então é 3h30 da tarde, horário de Brasília. Merci beaucoup, un gros bisou à tout le monde et à très bientôt. Tchau, tchau!